Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comique sur le Green Lantern Saga numéro 30. Donc, après un certain temps d'absence, le Green Lantern Saga revient sous une nouvelle formule, donc en trimestriel. Ce qui fait qu'il a une pagination beaucoup plus importante. On a un mensuel de 192 pages, qui est quand même vraiment énorme. Une petite augmentation de prix, le mensuel passe à 6,50€. Au niveau du sommaire, on a 3 numéros de Green Lantern, 3 numéros de Green Lantern Corps, ainsi que 3 numéros plus anciens, enfin qui datent de différentes époques, des années 60 ou quoi, 50 même, sur les origines de divers personnages de l'univers de Green Lantern. Donc voilà pour le sommaire. Je vais passer maintenant à la review. Alors j'ai hésité pendant un certain temps, enfin je savais pas trop comment j'allais faire la review. J'ai décidé de faire comme d'habitude, prendre un numéro, enfin de faire les reviews de numéro après numéro. Je vais aller quand même plus rapidement parce que sinon, bah, pour vous dire, il y a quand même 8 numéros, non, il y en a 9, soit, je crois. Donc 9 numéros, ça fait quand même... ça fait beaucoup de choses à dire, etc. Donc j'ai pas envie de faire une revue de 20 minutes pour un kiosque. Donc je vais aller assez vite sur les numéros, je préfère prévenir. Donc je commence par le premier numéro, hein, dans ce mensuel, donc avec le Green Lantern numéro 28, avec Robert Venditti au scénario. Alors là c'est pas du tout pratique pour présenter, voilà, je vais prendre comme ça. Robert Venditti au scénario et Bihitan au dessin. Un numéro qui introduit l'arc Red Lantern avec Supergirl. On aura toute la suite de ça dans le Superman Saga hors série 2. Alors c'est vrai que la petite maladresse, c'est que de ce coup-là, on n'a pas le début, on ne sait pas vraiment comment Supergirl se retrouve à devenir une Red Lantern. Mais bon, après, on aura les réponses de Superman Saga hors série, j'espère. Enfin, j'espère, parce que comme sinon, c'est un peu étrange qu'elle arrive d'un seul coup comme ça avec un anneau de Red Lantern. Sinon, le numéro en lui-même, je trouvais bon. Hein. Les dessins de Bihitan sont toujours aussi beaux, selon moi. Je trouve que c'est un très bon dessinateur. Et après, bah, scénaristiquement, c'est pas le meilleur numéro de Venditti, hein, c'est clair et net, mais c'est quand même un numéro vraiment divertissant, j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc pour moi, la note que je mettrai à ce numéro, c'est un bon 7 sur 10. J'ai vraiment bien aimé ce numéro dans l'ensemble. Je passe ensuite à Green Lantern 29, toujours la même équipe, hein, Robert Venditti au scénario, Bihitan au dessin, sauf qu'il est aussi accompagné d'un autre dessinateur qui est Martin Kolo, voilà, donc je ne connaissais pas du tout encore une fois. Je vais dire la même chose pour les dessins, c'est très beau hein, dans l'ensemble. Bihitan, un dessinateur qui fait du bon boulot. Après, quand c'est pas lui, c'est un peu moins beau, je dois avouer que la partie de l'autre dessinateur est un peu moins belle, mais ça n'en reste pas moins quand même plutôt sympa à regarder. Hein. On n'a pas trop, enfin, c'est pas dégueu quoi, c'est ça. Donc voilà pour la partie graphique. Scénaristiquement, un numéro que j'ai beaucoup aimé, surtout pour la caractérisation d'Al Jordan. On a un peu une remise en question du personnage qui, on voit qu'il commence un peu à prendre ses responsabilités de chef, etc. Il va voir différents personnages, il va bien comprendre qu'il ne pourra pas gérer le corps lui-même, etc. Donc moi franchement j'ai beaucoup aimé ce numéro-là pour cet aspect-là, hein, avec Al Jordan qui prend, enfin surtout au niveau de Noël, comme je dis, sa caractérisation que j'ai beaucoup aimé. Sinon bah c'est toujours hein, l'histoire hein, dans le contexte, c'est toujours les Green Lanterns qui essayent de lutter contre les Durlans, qui ont fait croire que les Green Lanterns sont devenus des sortes de dictateurs, on va dire comme ça, hein, en gros. Donc ils vont chercher un moyen de changer leur image. Donc moi j'ai beaucoup aimé le numéro, donc je mettrai un 8 sur 10 hein, pour moi ce numéro. Et clairement le meilleur du magazine, hein, ce numéro 29 de Green Lantern. On passe ensuite à Green Lantern 30. Green Lantern 30, j'ai un peu du mal, il y a tellement de numéros, hein, désolé, c'est un peu maladroit. Donc le numéro 30, toujours Venditti au scénario, sauf qu'au dessin, on n'a pas Bihitan, c'est Martin Kolo hein, qui s'occupe du dessin entièrement. Donc comme le numéro précédent, j'aurais pas grand chose à dire, c'est plutôt beau dans l'ensemble. Moi je préfère Bihitan, mais après ça reste quand même de bon niveau, hein, comme je vous montre ces belles planches. Sinon, bah, scénaristiquement, bah, ouais, je veux pas trop rentrer en détail, hein, parce qu'à chaque fois c'est la suite, donc forcément si je vous révèle des choses, ça révèle un peu ce qui s'est passé dans le numéro précédent. Mais j'ai un peu moins aimé, hein, franchement, ce numéro, il est ouais, au même niveau que le numéro 28. Hein. Il est bien, il se laisse lire, il se passe quelques trucs plutôt intéressants, mais à part ça, j'ai pas non plus été complètement conquis par ce numéro, donc je mettrai pareil, hein, c'est un bon numéro, mais pas non plus excellent, donc je mettrai un 7 sur 10.
On passe maintenant au Green Lantern Corps. Hein. Désolé si je vais vite, mais je suis obligé parce que sinon ça va faire une vidéo vraiment trop longue et puis j'ai pas grand chose à dire de plus hein, en général que ce que je dis là. Donc Green Lantern Corps numéro 28, c'est Robert Venditti et Van Jensen au scénario avec Bernard Chang au dessin. Numéro que j'ai beaucoup aimé, franchement, j'ai trouvé. Hein, bah, c'est clairement le meilleur pour moi ce numéro de Green Lantern Corps sur le magazine. Déjà, bah voilà, les dessins de Bernard Chang sont vraiment beaux. Hein. Moi, j'aime bien. C'est vraiment un style qui me plaît personnellement. Scénaristiquement, un numéro que j'ai beaucoup aimé, surtout pour son cliffhanger qui montre un personnage que j'adore. Mais j'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir. Je suis un peu déçu d'ailleurs qu'on en reparle pas trop de ce cliffhanger. Enfin, on en reparle, mais pas vraiment. Enfin bref, pas comme je le voudrais quoi. Mais sinon, le numéro est vraiment bon. Donc, on a le groupe de John Stewart qui cherche un Tourlans qui n'est pas vraiment qui n'est pas vraiment méchant en fait. Et ils vont essayer de négocier avec lui, sauf que ça va bien évidemment pas vraiment se passer comme il le voudrait. Il va y avoir une altercation, etc. Voilà, moi franchement, j'ai beaucoup aimé ce numéro de Green Lantern Corps. Avec le Green Lantern 29, c'est vraiment les deux meilleurs numéros sur le mag. Donc, je mettrai pareil un 8 sur 10. Ensuite, je passe à Green Lantern Corps numéro 29. Baisse un peu en termes de qualité, là encore. Parce que je trouve que ce numéro, bah, il fait pas beaucoup avancer l'intrigue, quand franchement, on est toujours sur la même chose. John Stewart qui essaye de rallier à sa cause le Durlance, malgré que d'autres Durlance sont venus s'en mêler hein, dans ce numéro. J'ai oublié de parler de l'équipe, c'est Van Jensen au scénario qui est tout seul cette fois-ci, et c'est toujours Bernard Chang au dessin. Donc graphiquement, j'ai rien à dire de plus, c'est vraiment beau, mais y a rien de changé, quoi. C'est beau. Et puis voilà, scénaristiquement, c'est bon, c'est sympa à lire, je dis pas le contraire, mais c'est comme je vous le dis, il se passe pas grand chose, on stagne un peu au niveau de l'histoire, et c'est un peu ça qui m'a déçu. Donc je mettrai un 7 sur 10, c'est toujours pareil, c'est sympa à lire, je dis pas le contraire, mais après, j'en attends quand même un peu plus. Et après, on passe au moins bon, au Green Lantern Corps, ça, encore une fois, ça baisse encore en qualité avec le numéro 30. C'est Van Jensen, hein, toujours au scénario, sauf que là, bah, y a Scott Collins et Chris Batista qui s'occupe des dessins, et bah c'est franchement moins beau que Bernard Chang, donc déjà on a ça qui est un peu dommage. Mais franchement, la partie de Scott Collins, c'est vraiment pas terrible, hein. Les pages comme ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas très très beau quoi, c'est vraiment moyen. Puis scénaristiquement, bon, on en apprend un peu plus sur les Durlans, c'est leur passé, etc. Mais bon, c'est pas des plus intéressants, je vous le cache pas, je trouve. Puis voilà, je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Plutôt moyen ce numéro. Donc je mettrai un 5,5 sur 10. Franchement, j'ai été vraiment déçu par ce numéro. Il y a vraiment une différence entre les deux. Hein. Je sais, la note est un peu plus basse, mais franchement, j'ai été vraiment plutôt refroidi avec ce numéro. Après, j'espère vraiment que tout ça va être mieux dans le prochain Green Lantern Saga. Voilà, maintenant je passe au numéro. J'ai oublié de donner ma note, j'espère que j'ai donné. Pour les autres, j'ai complètement zappé. Pour lui, je l'ai donné, c'est un 5,5, qu'est-ce que je raconte, je suis complètement perdu. Il y a tellement de numéros, donc maintenant je passe au numéro plus ancien avec Showcase numéro 22. Au scénario, c'est John Broome et au dessin, c'est Gil Kane. Donc un numéro qui a pour but de raconter les origines de, comment s'appelle-t-il, Hal Jordan, donc le premier, enfin non, pas vraiment le premier, vu qu'il y a celui Terre 2 dans le Golden Age, etc. Mais bon, celui qu'on connaît le plus, quoi, on va dire. Donc, ouais, un numéro sympa, c'est toujours ça. Moi, j'aime bien découvrir ce genre de choses, mais après, c'est toujours assez lourd à lire, je trouve, les numéros comme ça, avec la narration de ces années-là, etc. Je suis pas vraiment fan de ce genre de numéros. Après, en plus, enfin voilà, moi, les origines d'Hal Jordan, je les connais personnellement, elles nous apprennent pas grand-chose de plus. Mais bon, c'est toujours un petit bonus sympa de la part d'Urban, je trouve. Mais bon, j'aurais préféré qu'ils nous mettent, je sais pas, du Green Lantern New Guardians plutôt que ça, hein, franchement. Donc la note que je vais mettre, c'est un... c'est un peu délicat de donner ce genre de numéro, parce que c'est hors contexte, etc. Donc franchement, je sais pas trop, je vais mettre un 6 sur 10, mais bon... ouais, ces notes veulent pas trop dire grand-chose, franchement, pour moi. Après, on passe au numéro... comme de cette gamme là que j'ai le plus apprécié, on va dire. Donc le Green Lantern 87 de Neil O'Neill au scénario et Neil Adams au dessin. Voilà, Neil Adams, un dessinateur des époques un peu plus anciennes que j'aime bien personnellement, même si j'ai trouvé ses dessins un peu, enfin, pas très très beaux comparé à ce que j'ai vu sur différents épisodes de Batman. Donc là dessus j'étais un peu
peu déçu, on va dire. Donc ce numéro a pour but de faire l'arrivée de John Stewart au rang des Green Lanternes. Donc c'est un numéro plutôt sympa, hein, qui montre le contexte des États-Unis, etc., avec le racisme, etc., qui est vraiment sympa. Mais après, bon, c'est pareil, moi c'est pas le numéro que je suis hyper friand, hein, en général, mais c'est toujours beaucoup plus agréable à lire, franchement, que le numéro, les numéros des années 50, etc., où la narration est vraiment pas terrible. Là, franchement, c'est un peu plus digeste, je trouve. Donc voilà pour ça, le numéro, la note que je mettrais, c'est un 7 sur 10, mais après c'est toujours pareil, c'est pas vraiment... je trouve pas ça très, très intéressant de mettre des notes pour ce genre de numéro. Et enfin, on passe à Green Lantern 188, Alan Moore au scénario et Dave Gibson au dessin. Donc un numéro qui raconte une histoire sur Mogo. Ouais, je dois vous avouer que moi je suis pas du tout rentré dans l'histoire, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Ouais, c'est Alan Moore, mais bon, franchement, franchement, ça aurait pu être un autre, je trouve que ça aurait été la même chose. Moi, franchement, j'ai pas non plus vraiment apprécié ce numéro. En plus, il est très court, mais bon, ça reste quand même plutôt sympa à lire. Mais ouais, franchement, c'est pas ouf, hein, clairement. Donc, la note que je mettrais, c'est un. C'est pareil, un 6 sur 10, mais après, franchement, je donnais des notes à ce numéro, ça me plaît pas trop. Donc, bilan de ce Green Lantern Saga 30. Bah, c'est un Green Lantern Saga plutôt moyen quand même, hein. On a des bons numéros quoi, avec Green Lantern et Green Lantern Corps qui, des fois, offrent vraiment des bons numéros. Après, on a des moyens pour les séries respectives. Les ajouts d'Urban, de vieux numéros, sont sympas. Et franchement, j'aurais préféré du Green Lantern Corps, du Green Lantern New Guardians, pardon. Parce que Red Lantern, heureusement, va être publié dans le Superman Saga hors série. Après, les New Guardians, on en fait l'impasse hors crossover. C'est clair que c'était la série que j'aimais le moins, hein, de tout le Lila Green Lantern. Mais j'aurais quand même préféré avoir des numéros Green Lantern New Guardians. Trois numéros de Green Lantern New Guardians dans ce mag. Et ces vieux numéros, je sais pas, ils auraient pu faire l'objet d'une anthologie sur Green Lantern. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Que là-dedans, on voit clairement qu'ils ont balancé ça parce qu'ils ne voulaient pas mettre de New Guardians pour je ne sais quelle raison. Et voilà, donc ils ont mis ça. Mais bon, bref, c'est pas trop grave, ça reste quand même un bon kiosque. Je suis content de relire du Green Lantern parce que ça faisait un certain temps que j'en avais pas lu. Malheureusement, c'est pas les meilleurs épisodes, c'est clair et net. J'attends beaucoup le prochain crossover entre Green Lantern et Green Lantern Corps qui s'appellera, je sais plus le nom en français, Soulèvement. Voilà, qui durera que dans un magazine. Hein. Ouais, j'attends pas mal ce crossover, j'espère qu'il sera pas mal, même si je m'attends pas non plus à un énorme crossover, je m'attends pas à quelque chose d'aussi bon que Extinction, pardon. Et puis par contre, ce que j'attends beaucoup, mais ça c'est dans longtemps, c'est le crossover Go Ahead, qui est actuellement publié en VO. Celui-là par contre j'attends beaucoup et j'ai de grosses attentes, mais bon, on aura le temps d'en reparler quand ça sortira. En tout cas, Green Lantern Saga 30, un bon kiosque avec des qualités, hein, toujours des bons numéros dans l'ensemble, mais clairement pas le meilleur. Et puis cette formule trimestrielle n'est pas la meilleure selon moi. Après, on a appris l'annulation de plusieurs séries en VO de l'univers de Green Lantern, donc finalement c'est peut-être plutôt judicieux de passer à ce mode là, mais bon, moi c'est pas ce qui me plaît le plus. En plus, je trouve leur agencement au niveau de l'édition, je fais un dernier point là-dessus, pas très très intelligent, dans le sens où ils nous mettent tous les numéros de Green Lantern d'affilée, puis tous les numéros de Green Lantern Scorps d'affilée. Sauf que si les numéros sont liés, bah c'est un peu con de faire ça, parce que de ce coup là on lit tous les Green Lantern, puis après on lit tous les Green Lantern Corps, et puis on comprend pas des fois les allusions, ou alors faut à chaque fois changer. Enfin, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai lu Green Lantern 28 puis le Green Lantern Corps, puis après je suis revenu au Green Lantern, enfin moi j'ai lu comme ça, donc je comprends pas pourquoi ils l'ont pas agencé comme ça. Mais bon, heureusement les numéros sont pas liés, donc on pouvait tout lire les Green Lantern d'un coup et tout lire les Green Lantern Corps d'un coup, il y aurait pas eu trop de gros problèmes. Il y a quelques allusions mais pas grand chose, mais bon, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Enfin bref, j'en ai fini cette fois-ci, je vous laisse tranquille. En tout cas, toujours un magazine qu'il faut pas faire l'impasse, hein. Green Lantern Saga est toujours de bonnes choses. Moi je vous dis à la prochaine pour la review du Batman Saga. D'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde. Et je sais pas si entre la prochaine review du Batman Saga, il y aura aussi peut-être un achat comics et info avec ce que j'aurais eu à Noël, etc. Normalement il arrivera entre deux, donc je l'annonce aussi en fin de vidéo, on sait jamais. Voilà, donc prenez soin de vous, puis à la prochaine, passez de bonnes fêtes, et puis à la prochaine pour la review ou un achat comics et info.